regarder la Bible, de consulter. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Eden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez, à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Voilà, nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent voilà. Des vérités fausses. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, qui n'arrive pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question d'identité. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne peuvent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Et bien voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit, et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui encore une émission palpitante, mais nous allons vous en donner un aperçu. L'homme qui est avec nous sur ce plateau, nous l'avions reçu déjà par le passé, où nous parlions de comment Dieu tient à libérer l'Afrique du méfait de l'argent. C'était ça son livre, « Comment Dieu tient à libérer l'Afrique du méfait de l'argent ». La problématique de l'argent qui emprisonne l'Afrique, en tout cas les clés sont dans ce livre, et il y avait eu à boire et à manger. Donc pour tous ceux qui avaient raté ça, vous n'avez qu'à faire un tour sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, Alexis Bongo TV, et vous allez découvrir comment Dieu tient à libérer l'Afrique du méfait de l'argent. Ici, nous avons dans les mains le tome 1, et nous en profitons pour vous renseigner par la quatrième de couvre à qui nous avons honneur sur ce plateau. Et nous en profitons aussi pour dire donc à Patrice Louvoiseau qui est dans la machine qu'il faudrait qu'on précise bien Pasteur Bansamyo. Pasteur Bansamyo, Clément Bansamyo, donc chrétien, chercheur et écrivain en histoire de la religion chrétienne à travers la Bible et dans le monde. Né le 30 novembre 1941 à Brazzaville, il est marié et père de 11 enfants. Il a débuté ses études en 1947. Là, homéostasie, la spiritualité des profondeurs n'était pas encore née. Et le 5 septembre 1960, là non plus nous n'étions pas encore là, il est admis par voie de concours dans le corps de la gendarmerie nationale congolaise. De l'estime de ses chefs hiérarchiques, il a passé son examen d'obtention du BAG pour accéder au grade de gendarme hors classe, s'il vous plaît. Après avoir passé plusieurs autres examens, il est nommé au grade de maréchal de logis, de sergent-chef, d'adjudant et d'adjudant-chef. Il s'agit de lui, Clément Bansamyo. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous n'avons pas fini avec ça, mesdames et messieurs, toujours. Parce que ici, sur le plateau de Méostasie, la spiritualité des profondeurs, la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager, nous sommes bien obligés de vous donner tous les contours, surtout vous qui prenez le train en marche, pour que vous sachiez sur quel pied danser avec cet invité, pas comme les autres. Déjà, la quatrième de couvre de son livre, une fois de plus, nous sollicite dans le résumé. Lorsque les peuples du monde entier souffrent de la misère culturelle, les mêmes peuples sont obligés de se cultiver davantage, comme le disait Cheikh Anta Diop, car aucune personne au monde n'est plus sage que Dieu. L'homme est limité, Dieu reste Dieu, car Dieu nous avait tout révélé dans son livre saint, la Bible, parole de Dieu. Entre-temps, lorsque notre planète qui nous avait été donnée gratuitement par Dieu, Jésus-Christ, pour notre bien, était divisée en deux blocs de sciences technologiques modernes, des camps capitalistes laissaient la liberté à toute croyance religieuse
en s'inspirant de la Bible, parole de Dieu, et des camps socialistes, scientifiques, marxistes, léninistes. Ce camp-là certainement régnait la Bible. Une fois de plus, bonjour cher invité. Merci monsieur le journaliste. Alors vous revenez ici sur ce plateau avec un thème exceptionnel, la signification de la Pentecôte. Alors délivrez-nous votre exposé parce que nous avons des questions à vous poser. Merci monsieur le journaliste. Avant de présenter mon thème de la signification de la Pentecôte, j'ai tout d'abord un point important à faire connaître au peuple du monde entier. On vous écoute. Lorsque nous regardons la carte géographique du monde, notre monde est divisé en 5 parties. Nous avons le continent africain, nous avons le continent européen, nous avons le continent américain, nous avons le continent asiatique et enfin nous avons le continent océanique. Donc 5 continents du monde. Mais dans ces 5 continents du monde, nous venons au continent asiatique. Dans le continent asiatique, il y a la Grande Asie et puis il y a la Petite Asie qu'on appelle l'Asie mineure, la terre de la Palestine. Dont la capitale, c'est bien Jérusalem. Jérusalem. Et cette terre de la Palestine, dont la capitale Jérusalem, fait limitrophe avec l'Égypte en Afrique. La Bible, parole de Dieu, nous dit, après le déluge du temps de Noé, Noé avait 3 enfants, Sem, Cham et Japhé. Lire Genèse, chapitre 10, le verset 1. C'est de la postérité de Sem où était né Abraham, dont son père s'appelait Terach. Lire Genèse, chapitre 11, verset 26. Un jour, l'Éternel Dieu appela Abraham. Abraham, 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 quitte la maison de ton père. Va dans le pays dont je vais te montrer d'y habiter. Il exécute la voix du Seigneur. Il prend sa femme Sarah, il prend son neveu Lot, il prend la servante à sa femme qui s'appelait Agar, une égyptienne africaine, il prend tous ses serviteurs et tous ses biens et le voilà qui se rend vers le midi. Il arrive dans la terre de la Palestine, la terre de Canaan. Dieu lui dit, voilà la terre dont tu dois désormais habiter. Et dans cette terre dont tu habites, tu ne dois plus adorer les dieux d'idolâtrie de ton père. Tu dois m'adorer, moi Dieu, en offrant des holocaustes à l'autel. Lire Genèse, chapitre 12, le verset 1 à 7. Genèse, chapitre 17, le verset 1 à 8. Genèse, chapitre 22, le verset 1 à 13. Ensuite, Dieu lui dit, cette terre, je la donnerai à tes descendants. Mais tes descendants, avant qu'ils ne viennent habiter ici, ils seront en oppression, ou dire en esclavage, dans un pays étranger qui n'était autre que l'Égypte en Afrique, où ils vont purger 400 ans et après ils sortiront de là avec de grandes richesses. Lire Genèse, chapitre 15, le verset 13 à 14. Lorsque les 400 ans arrivèrent à leur terme, lire Exode 12, 40 à 41, Dieu suscita Moïse qui libéra les enfants de Jacob Israël de l'esclavage d'Égypte en traversant la mer Rouge à sec par la puissance de Dieu. Lire Exode, chapitre 14, 1 à 31. Et de l'autre côté de la mer Rouge, où les enfants de Jacob Israël avaient purgé 40 ans dans le désert, avant de rentrer à la terre promise et au mont de Sinaï, dont Dieu appela Moïse pour récupérer aux mains de Dieu les 10 commandements de Dieu qui étaient écrits de Dieu sur 2 tables
en pierre et placé dans un coffre en forme d'une maison appelée le tabernacle, l'arche d'alliance. Et quand la mort de Moïse était proche, Dieu s'adressa à Moïse de bénir Josué qui mena les enfants de Jacob Israël à la terre promise. Et à la terre promise, terre de Canaan, la Palestine dont la capitale est Jérusalem, les enfants d'Israël s'organisent en commençant tout d'abord par les juges. Après les juges, ce sont les rois. Et le premier roi était Saul. Après Saul, c'est David. Après David, c'est Salomon qui avait construit par l'architecture de la sagesse de Dieu le palais royal très magnifique. Lire un roi 7, 1 à 51. Et le temple d'adorer l'éternel Dieu aussi très magnifique. Lire un roi 6, 1 à 38, construit à Jérusalem, capitale de la Palestine. Alors, dans le temple de Salomon, un temple par l'architecture de Dieu lui-même, dans le sanctuaire du temple de Salomon, ceux qui rentraient là-bas, c'était les Lévites, parce que Dieu les avait choisis pour intercéder auprès de Dieu de ce que les enfants d'Israël demandaient à Dieu, dont ils devaient recevoir la réponse. Donc, quand les Lévites rentraient dans ce sanctuaire du temple de Salomon, où était placé l'arche d'alliance, c'est-à-dire les 10 commandements de Dieu, ils brûlaient des holocaustes. Et ces holocaustes qu'ils brûlaient, si la prière était bien exaucée, alors Dieu venait se présenter sous forme d'ombre au milieu de cette fumée, alors les péchés des enfants d'Israël leur étaient pardonnés. Mais à cette époque, Dieu ne demeurait pas dans leur cœur, il leur présentait seulement un ministère extérieur. C'est bien écrit dans Hébreux 10, le verset 4. Voilà pourquoi à cette époque, une fille vierge fiancée dans la ville, une personne vient la chercher la cour, elle cède son corps sans crier. Alors, tous les deux, on les lapidait les pierres et ils mouraient. C'était la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est bien écrit dans Deutéronome chapitre 22, verset 23. Il en était de même pour une femme mariée. Bon, elle s'en va faire la cour avec une autre personne. On les trouve en flagrant délit d'adultère. Tous les deux, on les prenait, on les lapidait les pierres et ils mouraient. C'était la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. La parole de Dieu est dans Deutéronome chapitre 22, verset 22. Donc, c'était à cette époque. Là-bas, il y avait cette fête qu'on appelait la Pentecôte. C'était la fête de cueillir des raisins. Et ces raisins, lorsque les enfants d'Israël les vendaient, mais il dégageait le 1/10 de la vente de ces raisins qui remettaient aux Lévites. Les Lévites faisaient pour satisfaire à leurs besoins. Donc cette grande fête qui se passait à Jérusalem, la fête de la Pentecôte, la fête de cueillir des raisins et ces raisins qu'ils vendaient. Mais dans la vente, il n'y a pas seulement que les enfants d'Israël qui achetaient ces raisins, mais ceux aussi qui habitaient aux alentours de la Palestine qui venaient acheter ces raisins. Il y a ceux qui quittaient l'Afrique, comme les Égyptiens, comme les Éthiopiens, comme les Libyens. Mais les Éthiopiens, les Libyens et les Égyptiens adoraient quel Dieu à cette époque? C'était le Dieu d'idolâtrie, le Dieu de nos ancêtres, de nos aïeux, en dehors de leur croyance religieuse. Ils venaient acheter ces raisins à Jérusalem. Il y a ceux qui quittaient l'Asie. Les Asiatiques, à cette époque, adoraient quel Dieu? C'est le Dieu d'idolâtrie, le Dieu de nos ancêtres, de nos aïeux. Eux aussi, en dehors de leur croyance religieuse, ils venaient acheter ces raisins à Jérusalem. Il y avait là aussi les Européens, comme les Grecs et les Romains. Mais les Grecs et les Romains adoraient quel Dieu à cette époque? C'était le Dieu d'idolâtrie, le Dieu de nos ancêtres, de nos aïeux. Eux aussi, en dehors de leur croyance religieuse, ils venaient acheter ces raisins à Jérusalem. Il y avait là aussi
les Arabes. Les Arabes, ce sont lesquels? C'est la famille d'Ismaël. Ismaël, qui était l'enfant adultérin d'Agar, qui était une égyptienne africaine d'Abraham, qui était arabe. À cette époque, le prophète Mahomet n'était pas encore né. Eux, ici, venaient acheter ses raisins à Jérusalem. Il y avait là aussi les Juifs eux-mêmes. Mais les Juifs adoraient quel Dieu? Ils adoraient Dieu en offrant des holocaustes à l'autel à cette époque. Eux aussi, de cette forme d'adorer Dieu en offrant des holocaustes à l'autel, ils achetaient ces raisins. Donc, une grande foule, un marché mondial qui se passait là-bas à Jérusalem, une foule immense. C'était donc ce jour-là. Notre Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, il est venu se faire voir à ses apôtres en disant, « Je m'en vais, mais vous vous restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » C'est bien écrit dans Luc 24, 36 à 49. « Et quand il était reparti au ciel, qu'on appelle Ascension, 50 à 53, le jour de la Pentecôte, donc de cette grande fête qui se passait là-bas, le cœur des raisins et qu'il vendait, le Saint-Esprit était descendu là-bas à Jérusalem. » C'était ce jour-là de la fondation du christianisme. Le christianisme. Car tout ce qui était là-bas présent était rempli de l'Esprit de Dieu. Et chacun entendait les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Ils se posaient la question, mais qu'est-ce que cela veut dire? Oh, mais ces gens ne sont pas ivres. Donc, ils ne se comprenaient pas. Mais ils entendaient les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. C'est là où Pierre, parce que Dieu, Jésus, avait laissé son église à Pierre. L'église que nous parlons aujourd'hui, la religion chrétienne, c'était à Pierre qu'il avait laissé cette église. Parce qu'ils étaient, 12. Mais dans les 12, il y a un qui l'avait vendu, c'est Judas. Ils étaient restés 11, parce que Paul n'était venu qu'après. Alors, les 11 là, Pierre, parce que c'est lui qui était le commandement de l'église chrétienne que nous parlons aujourd'hui, rempli de l'Esprit de Dieu, il va s'adresser à cette foule qui était là-bas ce jour-là. Il parle à haute voix devant un monde immense qui était là-bas. Mais justement, le temps est arrivé dont Dieu nous a remis tout notre pouvoir spirituel, ou dire religieux, et scientifique que nous avons perdu au commencement du monde par Adam et Ève, lorsqu'on était sans péché. C'est bien écrit dans Genèse 1, 26 à 27, « Repentez-vous ». Et ceux qui s'étaient repentis étaient environ 3000 âmes, les premiers chrétiens. Vous regardez là très, très, très bien, vous regardez très bien là, quand on lit dans Actes 2, 1 à 47, les premiers chrétiens sont là. Ils sont là, les chrétiens, ce qu'on appelle des chrétiens. Vous voyez, ils n'ont pas des armes, ils sont unis, les chrétiens. Ce sont ces chrétiens-là qui s'étaient rejoints aux apôtres pour former la religion chrétienne. Alors, comme ils étaient là-bas, ils se disaient, il n'y a aucun qui disait que, oh, moi je suis grec, oh, moi je suis romain, oh, moi je suis éthiopien, oh, moi je suis asiatique, oh, moi je suis noir, oh, moi je suis jaune, oh, moi je suis rouge, ou moi je suis blanc. Il n'y avait pas du tribalisme. Voilà l'Église, c'est celle-là, mes chers frères et sœurs. Alors, donc, ce jour-là, mais puisque à cette époque existait l'argent, parce qu'il y a les rois qui dirigeaient le monde, entre les rois des peuples d'Israël et des autres, il y avait le commerce. Donc, ceux qui s'étaient convertis des chrétiens, l'argent qu'ils gagnaient de ces entreprises, il venait remettre cet argent à Pierre. Et Pierre, avec cet argent, il ne gardait pas cet argent, ils achetaient de belles choses. Voilà. Et aucun ne disait que oh, ces choses m'appartenaient. Voilà la religion chrétienne, le christianisme, on serait heureux. C'est celle-là. Ils étaient unis, mes chers frères. Pas de tribalisme. Pas de dire, oh, moi, ces choses m'appartiennent. Hein? Ils étaient là. C'était donc ce jour-là. Voilà pourquoi, donc, la Pentecôte, c'était aussi le grand jour de la séparation de l'ancienne alliance en Dieu, en offrant des holocaustes à l'autel, qui était le judaïsme, à la nouvelle alliance en Dieu, en Jésus-Christ, le passe au sang précieux versé pour nous sur la croix.
Donc, on parle aujourd'hui du Nouveau Testament. Le temps de l'amour, le temps de la paix, le temps de la justice, le temps de s'unir, nous tous sur la terre, au nom de Jésus-Christ, pour être heureux. Si donc, mes chers frères et sœurs, si donc l'humanité entière avait suivi identiquement les enseignements chers de Jésus-Christ, témoignés par les apôtres, bien écrits dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, l'on serait un monde heureux. L'on serait que des chrétiens, ce qu'on appelle des chrétiens. Et parmi ces chrétiens sortiraient des savants éminents. Lire Colossiens 2, 1 à 3. Lire Matthieu 6, 19 à 33. Lire Luc 10, 17 à 24. À l'exemple des savants saints de l'Ancien Testament. Lire Exode 35, 30 à 35. Daniel chapitre 1, 3 à 17 vient. Et 1 Roi 4, 29 à 34. Qui inventerait de très belles choses et dont le fruit du travail collectif serait distribué à chacun selon ses besoins, sans guerre, sans militaire armé de fusils, sans armes nucléaires. Il n'y aurait jamais de commerce d'argent, de lutte de classe, de la haute bourgeoisie, de discrimination raciale de peuples blancs et noirs, de division ethnique. Il n'y aurait jamais de boisson enivrante, mais la boisson non enivrante. Il n'y aurait jamais de jeux sportifs et de compétition, mais c'est un sport tel que le footing uniquement pour maintenir en bon état le corps physique. Il n'y aurait jamais de chansons et de danses spirituelles mondaines, des bars et traditionnelles, mais des chansons et danses spirituelles divines dans la gloire du Seigneur. Lire pour Psaume 150, 1 à 6, Éphésiens 5, le verset 19. Voilà l'Église du Christ, voilà le christianisme universel dont nous serons heureux sur cette planète et dont la direction du christianisme serait à Jérusalem. C'est là-bas que l'on partirait toutefois en pèlerinage pour aller rendre gloire à notre Seigneur de ce qu'il avait donné de nous de beauté sur cette planète. Voilà l'Église du Christ qu'on appelle aussi le monde d'État socialiste. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, l'homme est méthodique. Il vient de nous exposer donc ce thème très important de la signification de la Pentecôte. Nous sommes nombreux à ne pas avoir vu les choses comme ça. Hein? Nous allons à l'église tous les dimanches. Nous avons déjà fêté plus d'une Pentecôte. Mais l'atmosphère, l'ambiance, la réalité de la Pentecôte autrefois, ça se perd de plus en plus. Papa, nous avons une question ici. Mais pourquoi aujourd'hui le Dieu d'Abraham dont on parle là, hein, est divisé en trois religions? À cette question, quelle réponse vous donnez? Puisque déjà dans votre exposé là, les choses étaient parties de telle sorte que même aujourd'hui là, on serait unis dans une seule religion. Mais il se trouve qu'aujourd'hui on constate amèrement qu'il y a le judaïsme, il y a le christianisme, il y a l'islam, on a trois religions. Alors qu'est-ce qui a causé tout ça? Merci monsieur le journaliste. Malgré la Pentecôte. Merci pour cette question que vous avez posée. Et cette question, vous la poserez lorsque je reviendrai encore ici, pour le deuxième thème que je veux présenter et que les gens écouteront. Voilà. On reviendra sur cette question. On reviendra sur cette question. Donc là, c'est la Pentecôte que j'ai expliquée. Pour que nous le comprenions très très bien. Mais Dieu n'est pas capitaliste. Ah. Oui. Les chrétiens capitalistes existent où? Comment les chrétiens peuvent être des bourgeois? Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne tourne pas rond. Voilà. On est chrétien et puis vous êtes bourré d'argent, les autres souffrent. Quelle est cette quantité? Donc cette question, vous allez me la poser quand je reviendrai encore ici pour que vous compreniez parfaitement. Pour qu'on puisse creuser en profondeur. Exactement. Exact, exact. Ici, je vais encore vous repréciser ce que je viens de dire, la Pentecôte. La Pentecôte. Alors, vous reprenez encore cette partie comme le journaliste m'a posé cette question qui concerne nous tous sur la planète. Le monde souffre. Qu'est-ce que la Pentecôte, comme je viens de le dire? Oui. Donc là, comme je viens de le dire, je ne peux plus repartir là-bas. La Pentecôte, c'était aussi le grand jour de la séparation de l'ancienne alliance en Dieu en offrant des holocaustes à l'autel, qu'on appelait le judaïsme, l'Ancien Testament, hein, la nouvelle alliance en Dieu, en Jésus-Christ, de par son sang précieux versé pour nous sur la croix, qu'est le Nouveau Testament.
le temps de l'amour, le temps de la paix, le temps de la justice, le temps de s'unir tout sur la terre, en Jésus-Christ, sur toute la planète. Si donc l'humanité entière avait suivi identiquement les enseignements chers de Jésus-Christ, bien écrits dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, l'on serait un monde heureux. L'on serait que des chrétiens, ce qu'on appelle des chrétiens. Et parmi ces chrétiens sortiraient des savants éminents, lire Colossiens 2, 1 à 3, lire Matthieu 6, 19 à 33, lire Luc 10, 17 à 24, à l'exemple des savants saints de l'Ancien Testament, lire Exode 35, 30 à 35, Daniel chapitre 1, 3 à 17 et 20, 1 Roi 4, 29 à 30, qui inventerait de très belles choses et dont le fruit du travail collectif serait distribué à chacun selon ses besoins. Sans guerre, sans militaire armé du fusil, sans bombes, il n'y aurait jamais de commerce et d'argent, de lutte de classe, de la haute bourgeoisie, de discrimination raciale de peau blanche et noire, de division ethnique. Il n'y aurait jamais de boisson enivrante, mais la boisson non enivrante. Il n'y aurait jamais de jeux sportifs et de compétition, mais certains sports tels que le footing uniquement pour maintenir en bon état le corps physique. Mmh. Il n'y aurait jamais de chansons et de danses spirituelles mondaines, des bars et traditionnelles, mais des chansons et danses spirituelles divines dans la gloire du Seigneur. Lire pour Psaume 150, 1 à 6, Ephésiens 5, le verset 19. Voilà l'Église du Christ, le christianisme universel, dont nous serons heureux sur cette planète et dont la direction du christianisme serait à Jérusalem. C'est là-bas dont l'on partirait toutefois en pèlerinage pour aller rendre gloire à notre Seigneur de ce qu'il avait donné de nous de beauté sur cette planète. Voilà l'Église du Christ. Mes chers frères et sœurs, c'est ça l'Église qu'on appelle aussi le monde d'État socialiste. Jésus-Christ est le premier socialiste. Tous les chrétiens qui sont dirigés par le Saint-Esprit sont aussi des socialistes. Des socialistes. Voilà, mes chers frères, ce que je vous dis, ce sont des choses vraies. Très bien. Là, nous commençons à comprendre, mesdames et messieurs. Parce que nous étions tous là, en train de chercher comment comprendre la chose. Mais ça devient de plus en plus clair pour nous tous. Alors dites-nous, papa, pour ceux qui nous suivent, la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager. Vous êtes pasteur, Bansamio Clément. C'est dit ici, pasteur Bansamio Clément. Mais de quelle église? D'où venez-vous? Quelle est votre histoire? Vous êtes parti d'où pour en arriver là, pour que ça puisse nous inspirer? Bon, moi je suis pasteur des assemblées de Pentecôte, pasteur prophète de Baïsé. Des assemblées? Les assemblées de Dieu de Pentecôte. Ah, les assemblées de Dieu de Pentecôte. Du pasteur prophète Demba Esaïe. Ah, papa Esaïe. Voilà. Très bien. Bon, je suis en Caï, il y a aussi cette église-là, la communauté chrétienne que je dirige là-bas en Caï. Ah, vous dirigez une communauté chrétienne. Oui. On comprend de mieux en mieux. Voilà. Mmh. Ça, je suis venu parce que c'est Dieu qui m'a donné ce pouvoir d'écrire. Et ce qu'on écrit, il faut lancer à tout le monde. Mmh. Sinon, en dehors de cela, on presse la parole à l'église. Mais là-bas, c'est confiné. Mais ici, ça vient dans le monde. Mais Dieu est merveilleux. Donne ce message, écris ça, pour que tout le monde écoute. Voilà comment est le plan de Dieu. Voilà, c'est ça. Sinon, je suis en cahier. Très bien. Alors maintenant, lorsque vous avez fait cet exposé sur la Pentecôte, sur ce que c'était à cette époque-là, sur ce que devait être le monde aujourd'hui, si on avait respecté scrupuleusement les orientations du Seigneur, si on avait gardé l'esprit de ces premiers chrétiens, lorsque vous avez fait cet exposé-là, quelle comparaison vous faites avec l'Église aujourd'hui? Quelle lecture faites-vous de l'Église aujourd'hui alors que nous fêtons toujours la même Pentecôte? C'est bien, mais ça, comme je l'ai dit, quand on viendra pour ce deuxième thème-là, vous allez bien comprendre. À ce moment-là, on comprendra. Mais vous allez comprendre cette situation que je viens de vous dire ici. Pourquoi des chrétiens deviennent des capitalistes? Oui, justement. Voilà, le problème, c'est ça. Voilà. Mais oui, donc, il y a ce justement, moi, je suis pasteur. Je m'en vais à l'église. Je suis bourgeois. Mais les autres souffrent. Alors, quelle est cette crainteté? Hein? Il y a ceux qui sont bien. Mais ils nous parlent toujours au nom de Christ.
Mais les autres pauvres sont souffrent là-bas. Mais toi, tu prêches la parole de Dieu, tu es bourré de tout ça, des voitures de quoi. Mais les autres là-bas souffrent. Non. Cette question, c'est capital. Quand on reviendra ici, les gens vont bien comprendre cette situation pour que nous nous comprenions justement. Il y a eu peut-être le renversement de la Bible. La tête en bas, les pieds en l'air. Voilà, c'est ce jour justement, quand je reviendrai ici, pour que nous nous comprenions tous sur la planète. Oui, mais quelqu'un voudrait savoir, est-ce que vous reprochez aux chrétiens qui sont riches d'être riches? Est-ce que vous êtes contre les chrétiens qui sont, par exemple, des entrepreneurs? Est-ce que vous êtes contre ces chrétiens-là qui ont beaucoup d'argent, qui sont dans les églises, alors qu'autour d'eux, il y a des gens qui sont misérables? Oui. Est-ce que vous êtes contre eux? Oui, je sais très bien. Est-ce qu'ils ont le droit d'être riches ou pas? Et cette question, quand on viendra, nous allons bien comprendre. On ne lui donne pas la faute. Ah. Mais nous allons bien comprendre cela. Oui, parce qu'à un moment, l'argent, on en a aussi besoin. On en a aussi besoin. Mais alors, il faut le dire maintenant. Mais oui, mais comment? Attendez, mon fils, quand je viendrai ici, là, nous allons bien écouter cela. Mais tu restes seulement là. Oui. Cette question, c'est la question là que je veux présenter, si je veux vous le dire. L'histoire de l'humanité à l'Antiquité avant Jésus-Christ. Ah là, ça rentre dans l'histoire de l'humanité. Voilà, l'histoire de l'humanité. Dans la prochaine émission. Voilà. Donc, l'histoire de l'humanité à l'Antiquité avant Jésus-Christ, jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Donc, nous vivons aujourd'hui le temps de l'ère chrétienne. C'est là où vous allez comprendre cette affaire d'argent. Et il y a ceux qui sont riches. Mais on va bien le comprendre, ce problème. Parce que, oui, on comprend déjà même ce que vous dites là. Voilà, parce que dans les églises, dans les quartiers, on voit bien qu'il y en a qui sont immensément riches, même à l'église, pendant que d'autres croulent sur la misère. On voit aussi des hommes de Dieu, des pasteurs charismatiques à qui il ne manque rien. Ils ont tous les plaisirs de ce monde, les biens de ce monde, mais les fidèles autour d'eux sont pauvres. Donc vous allez nous détailler tout ça prochainement. Merci, papa. Vous allez nous détailler prochainement. Mais au point où nous en sommes, est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter à ceux qui nous suivent concernant la Pentecôte? Bon, je n'ai pas autre chose à ajouter. Ce que j'ai dit, que nous le comprenons, que Jésus-Christ est le premier socialiste. Le premier socialiste. Tous ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit sont des socialistes. Les tout premiers chrétiens, les Pierre et les Paul, étaient aussi des socialistes. On s'arrête là, nous allons maintenant comprendre pourquoi la religion chrétienne devient la religion autrement. Nous allons comprendre cela. Très bien, on va voir les dérives du christianisme après. Exactement. Mais non, Jésus-Christ est le premier socialiste. Là, nous comprenons. Maintenant, pour quelqu'un qui veut comprendre, vous voulez dire quoi par là? Jésus-Christ est le premier socialiste. Il n'est pas capitaliste. Vous voulez dire quoi? Je veux vous dire une chose. Dieu est venu en personne humaine. Il se présente devant nous. Parce que Dieu, c'est Jésus. À quoi servait encore l'argent? C'est lui, il est venu nous donner pour que nous recevions des belles choses. Exact. Mais comment? Lui qui nous a créés, maintenant, il veut maintenant acheter ces choses-là. Donc, il n'est pas Dieu. Vous voyez? Il nous avait aimés. Il ne voulait pas que nous souffrons. Voilà pourquoi il était venu. C'est comme aujourd'hui, vous avez un enfant dans la maison. Si l'enfant-là ne mange pas, ne s'habille pas, n'a pas un abri, moi, je pense que vous, le père, vous ne serez pas tranquille. Pas du tout. Dieu, c'est pareil. Dieu ne voulait pas que nous souffrions. Si nous souffrons, il y a quelque chose qui ne tient pas. Donc Dieu veut du bonheur pour nous. Oui, il veut que nous soyons heureux. Que nous vivions bien, que nous soyons heureux sur la terre. Mais ça, c'est sympa. Mais quand on mange bien, Oui, c'est comme ça. Mais les enfants sont heureux dans la maison. Mais pourquoi tu m'as mis au monde? Mais pourquoi tu es venu ici, là? Oui, c'est ça, justement. Donc, c'est très important. Le deuxième thème, là, vous allez bien comprendre cela. Très bien. Donc, aujourd'hui, vous êtes venu nous dire donc que Dieu nous aime. Et que même la Pentecôte, c'était même le symbole fort de son amour pour nous. Exact. Et que lui, normalement, si nous restions fermes dans l'esprit de la Pentecôte, aujourd'hui, on serait heureux sur la terre. Exact. Et donc, vous condamnez là-dedans
ceux qui ont tordu les choses, qui ont renversé la pyramide, qui ont sorti les gens de l'esprit même de la Pentecôte. Très bien, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission, de cette première partie, parce que nous recevrons une fois de plus l'homme de Dieu, le pasteur Clément Bonsamio, pour ne pas dire Bonsamio, Clément, qui est chrétien, chercheur et écrivain, pour que nous puissions aller en profondeur et que nous regardions l'histoire de l'humanité depuis avant même l'avènement de Jésus-Christ et aujourd'hui après Jésus dans une étude comparative. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Eden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Voilà, nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent voilà. Des vérités fausses. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible qui n'arrive pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question d'identité. Où tu es, où tu n'es pas? L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique, dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler, était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire.